Il y a quatre médailles. On retrouve les demoiselles. Demoiselle Karpenko, Ukraine. C'est parti pour le sol. Twist double avant, salto avant, autant, punch front. Les exercices s'effectuent sur un praticable rebondissant qui fait 12 mètres sur 12 plus 1 mètre de dégagement de sécurité sur le côté. L'avantage qu'ont les jeunes filles, c'est qu'elles peuvent s'exprimer sur une musique. C'est beaucoup plus agréable que chez les garçons. Sans vouloir faire de sexisme. On avait bien compris. Peut-être nous expliquer, Marie-Pierre, en fait, elles doivent utiliser les diagonales. Elles doivent utiliser les diagonales et occuper au maximum le praticable, qui fait donc 144 mètres carrés. Et elles doivent, en général, elles ont 3, voire 4 lignes acrobatiques. Et elles ont, en dehors de cela, la chorégraphie avec des sauts obligatoires, avec des tours, du travail au sol. Une ligne acrobatique très difficile, surtout pour la dernière, en double salto arrière avec une grille, soit un fouline. Et nous revoyons maintenant la première ligne acrobatique de très haut niveau. Si j'ai bien compté, elle avait 4 lignes. C'est ce qu'en général ont les jeunes filles qui sont à ce niveau. Quand on cherche une médaille, il faut mettre de l'acrobatie, il faut être très élégant, très... 9-6-11 pour Victoria Karpenko.